Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé sur moi? Non, pas au niveau de... Non, pas du bras, non. Pas les cheveux non plus, non. Les chaussures, non. Non, les chaussures sont toujours pareilles, non. Mais regardez, derrière moi! Eh oui, c'est classe, non? Eh bien, bonjour à tous! Les amis, c'est votre Jumper, j'espère que vous allez bien écouter. Moi, ça me tout nickel, qu'en es-tu aujourd'hui, les amis? On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Roblox Escape! Et plutôt une map nommée surtout Escape the Summer Camp Hobby! Voilà, oui, ça c'est du nom de map. En gros, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, les amis, ah non seulement on va découvrir ma toute nouvelle chemise dans Roblox, mais surtout l'objectif va être simplement, comme dans tous les escapes bien sûr, de trouver la sortie de la map. Et du coup bah on va devoir tout simplement en fait de s'échapper d'un camp. Voilà hein, tu vois, c'est un petit camp, hein. On est venu là à la base pour les vacances, mais apparemment il y a eu pas mal d'épreuves qui se sont mis devant nous, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup il va y avoir quand même beaucoup de choses à traverser pour s'échapper justement de ce petit campement. Alors oui les amis, on va pouvoir discuter un petit peu de cette chemise en même temps. Vous êtes sûrement en train de dire, mais attends mais Furious, pourquoi tu as ton logo? Alors les amis, parce que depuis le début que je joue à Roblox, enfin depuis au moins que j'ai changé mon skin, surtout parce que j'avais pas la chemise au début, figurez-vous qu'il y a pas mal d'entre vous qui me demandaient si c'était possible que je puisse tout simplement vous donner un petit peu entre guillemets, enfin vous permettre d'obtenir cette chemise. Et bien maintenant vous pouvez les amis, j'ai trouvé le moyen de vous partager cette chemise directement sur ma page et tout. Enfin vous pouvez voir, c'est bien sûr dans création, et voilà, et après vous pourrez la voir. Attention, il y en a qu'une seule. Alors du coup bon, ça va bien sympathique ce petit camp, mais du coup alors on se dit que c'est quoi, c'est des checkpoints ça? Oh, pas mal. Et la map est vraiment très très belle. Alors bon bah, ce que je vois, il faut pas aller dans les flaques, hein, on est d'accord. Alors est-ce qu'il faut aller dans les pneus? D'accord, ok. Alors on n'a pas le droit de toucher le sable, on n'a pas le droit de toucher les flaques. Il faut aller sur les pneus, c'est pas possible. Attends, vas-y, on va essayer d'aller dessus, voir. Ok, c'est ça, d'accord, très bien, il faut vraiment aller là-dessus quoi. Oh, mais ouais, mais c'est un vrai labyrinthe. Ok, en tout cas la map a l'air vraiment magnifique, sans déconner, elle est tellement belle, tellement de couleurs. Pour une fois que c'est pas dans un endroit où il fait super sombre ou que c'est complètement pété, tu vois. Ok, donc attention, le parcours du combattant. J'arrive pas à monter. J'arrive pas à monter, mon personnage, il est bloqué. Attends, est-ce qu'on est obligé de passer par là? Ah oui, non, faut vraiment pas toucher le sable en fait. Le sable, là, c'est le sable, c'est le sable mouvant, tu vois. Là, hors de question d'aller dessus. Ok, alors, donc, allez, on va y arriver, on va y arriver. Mais c'est pas possible. Attends, on va vraiment être bloqué? Attends, t'imagines, et voilà, la map se termine là, tu vois. Oh, c'est bon, fallait passer au milieu. Ok, checkpoint, je suis en train de faire la course du coup avec, donc, comment ça s'appelle? J'ai même pas. Ça s'appelle Jiwuli. Bah, Jiwuli, accroche-toi parce que j'arrive. Ok, donc, attention, les petits côtés comme ça, les petits carrés rouges, il ne faut pas les toucher. Voilà, le checkpoint. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de checkpoints. Alors là, pour le coup, on va pas se mentir. Alors, là, il faut sauter au-dessus des arbres, je suppose. Faut pas les toucher. Très bien. Est-ce que je peux toucher juste les feuillages? Oh, mais en fait, c'était. Il y a même pas ça, c'était dessus. En fait, je pouvais marcher dessus. Oh, c'est quoi ça? C'est des geysers? Wouah! Alors, par contre, il va falloir. Oh, ça va, c'est tranquille. Je pensais, genre, on pouvait même pas rester à côté. Enfin, en même temps, Furious, ça aurait été un peu impossible. T'as vu la longueur du truc, là, de la zone avec tous les geysers? Ça aurait été vraiment hyper dur. Ok, donc, alors, on arrive dans. Et moi, on m'avait dit que c'était un petit campement de vacances. Eh, ça a l'air plutôt d'être un campement de challenge, hein, honnêtement, là. C'est de l'entraînement. Hein. Tu sors de là, je peux te dire que là, t'es fort. Hein. T'es plus fort que tout le monde, hein, c'est ce qu'elle veut dire. Ok, donc, oh, bah, heureusement, les boules étaient coincées. Voilà, très bien, ça passe. Je peux pas courir plus vite parce que là, c'est relativement loin quand même. Vite, vite! Oh, c'est bon! J'ai cru que j'allais me la prendre celle-là. Alors là, ok, donc, alors, on continue. Je vais la rattraper. Elle se débrouille très très bien, je trouve. Hein. Attends, là, il y a du challenge là, comme ça. Moi, je m'arrête pas. Je m'arrête pas, je vais la doubler, attention. Yes! Oh, elle est tombée! Elle est tombée, mais non, pas de chance. C'est pas de chance. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce. C'est un oiseau carré. D'accord, pourquoi pas, j'ai envie de dire bah, pas de soucis. Hein, très bien, les oiseaux sont étranges ici. Je pense qu'à mon avis, ils ont dû faire le camp. Hein, et tu vois la tête qu'ils ont à la fin du truc. Hein. Ok, donc le checkpoint. Alors, hop, ensuite, on passe là-dessus. Voilà, oh là là, c'est tellement beau. Hein, ça nous rappelle un petit peu le parc aquatique, vous trouvez pas? Ok, donc on passe comme ça, voilà. Hop, le checkpoint. Ok, très bien. Waouh. Oh, c'est excellent, il faut passer. Oh bah c'est tranquille, je pensais que ça allait être un peu plus dur. Faut passer au-dessus là des petits cercles, ensuite au-dessus de la barre. Voilà la barre, faut surtout pas toucher la barre. Ok, le checkpoint. Et je crois que la personne qui était avec nous derrière nous a perdu. Regardez, elle est tout là-bas. Elle est tout là-bas. On la voit même plus, tu vois. Il faut zoomer sur la vidéo quoi. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, bon après Firouz, ce n'est pas une course, mais bon, hein, comme vous le savez, moi les escape, j'adore faire la course. Alors, donc, oh, c'est une zone à choix. Ah bah c'était pas celui-là, tu vois. Est-ce que c'est parce qu'il faut pas aller sur le rouge? Ah non, donc c'était vraiment une zone à choix en fait. Ah très bien, non mais ok. Ah y a pas de problème, hein, écoute. Ok, donc un coup à droite, un autre coup à droite. Et ça va, ok, y a que deux petits trucs. Donc ça passe, ensuite les bouées, on repasse les bouées, alors il y a des grosses bouées, des petites bouées, ça passe. Oh là c'est là. Ah dommage, ah c'est pas de bol. Alors ça, j'avoue, mon ami, je suis désolé.
Ah, je peux pas prononcer ton pseudo, il est beaucoup trop dur à prononcer. Voilà. Oh, attends, ça va tomber ça. Non. Oh, c'est bon. Oh là, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Mais aussi un peu de skill. Voilà, ça, je... Oh, attends, c'est moi. Ça disparaît. Vite. Le checkpoint. C'est bon, checkpoint. Ok. Oh non, pas le retour des glaces fondues là. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ces énormes glaces là? Alors, est-ce qu'il faut pas aller sur le transat? Ah bah non, directement là-dessus. Bah ouais. Attends, pourquoi s'embêter, Furious? Après tout, on peut aller là-dessus, ça va encore beaucoup plus vite. Oh, mais c'est génial! Et le challenge est exceptionnel. Franchement, le parcours et tout, c'est vraiment trop beau. Ok, comme ça, nickel. Oh, les boules! Les belles boules! Les boules multicolores! Regarde-moi ça! Je vais essayer d'éviter de pas tomber dans la crème pour... Parce que la chemise, elle est toute neuve, hein, donc ça serait dommage, tu vois, qu'elle finisse toute blanche, tu vois. Ok, d'accord, donc là, on est de retour. Ah non, on est dans un autre campement, ok, très bien. Ouh, il va falloir faire de l'escalade, hein. Et pourquoi t'as une hache dans le dos? Je suppose que c'est le créateur, à mon avis, ça va être son skin. Allez, ah, la tyrolienne et tout. Non? Ah non, il n'y a pas de tyrolienne. Ah, je suis dégoûté, tu vois, je m'attendais. Grimpe à l'arbre, il y a toujours de la tyrolienne, hein, on est d'accord. Ok, donc ça c'est bon. Le checkpoint. Attention, petit carré, on esquive. En fait, j'aurais pu sauter dessus. Bah, c'est même plus simple quoi, d'esquiver quoi. Ok, oh non. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Faut faire que de sauter. Oh, c'est chiant parce que si j'avance en ligne droite. Ah bah si, en fait, je peux complètement glitcher sur la corde. Ah non. Ok, bon bah voilà, bah ça, tu vois, ça m'apprendra, voilà, c'était la malchance, c'était la punition du créateur de la map. Oh non, faut que je m'en fasse tout. Oh non. Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas loin, ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu être au niveau des glaces, on est d'accord. Allez, on fait pas le malin, cette fois-ci on saute. Oh, c'est long, je me demande si on est à la fin de la map déjà, parce que je vois plus personne là. Ah non, il y a encore deux trucs, regardez, on va à droite. Il y a encore deux trucs. Ah non, c'est la personne, elle arrive à la fin, mais elle bouge pas. Eh, tu peux quitter le jeu, hein, c'est fini, hein. Ok, attention. Et c'est la fin. Yes. Et ben voilà. Alors par contre, Jiwooli, là, Jiwooki, là, on l'a perdu. Ah, je dézoome pour voir où est-ce qu'elle est. On peut la voir ou pas? C'est elle, là? Non, je crois pas. Je crois qu'elle est encore plus loin que ça. Oh, elle est pas encore au truc aquatique, quand même. Ah, c'est ça, je crois qu'elle est là-bas, elle est au niveau du truc aquatique, les amis. Et ben voilà. Et attends, est-ce que je peux aller là-dedans ou pas? Ce serait génial. Ah ouais, non. Malheureusement, c'est accroché. Ah, je peux pas m'envoler. Ah, oh, c'est dommage. Il y a même pas de truc. C'est quoi? C'est les records, ça? Mais attends, c'est pas possible. 0 seconde. Tu peux pas le faire en 0 seconde. Ah oui, parce que je crois qu'il y a un speedrun pour aller encore plus vite. Fais voir. C'est quoi en fait le speedrun? Le but, c'est que il me semble. Ah oui, il y a un timer. Ah, d'accord. Oui, mais par contre, je suis deg parce que là, je suis revenu au tout début, quoi. Oh, vous pouvez cliquer sur lui? Je savais même pas. Click me. Alors, attends, retourne. Non, c'est. Ah, j'ai des ressorts. J'ai des ressorts. Ah non, j'ai pas le ressort. Attends, est-ce que... alors, je peux cliquer, mais... Il me donne rien. Voilà, les amis, du coup, c'était la fameuse map Escape the Summer Camp. Voilà, donc le camp de l'été, effectivement. Donc, ma foi, qui était très sympathique. En tout cas, je suis très content de vous présenter cette petite chemise. Parce que c'est vrai que depuis le temps, les amis, que vous êtes nombreux à me la demander. Et bah, écoutez, maintenant, c'est possible d'avoir, effectivement. Et surtout qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient semblant de, comment dire, de montrer que c'était la chemise ou quoi que ce soit, de faire des fausses chemises ou quoi que ce soit. Et du coup, bon, beaucoup de choses pas très sympathiques, en tout cas, sur Roblox. Donc, du coup, j'ai voulu un petit peu régler ce problème parce que beaucoup d'entre vous ont eu beaucoup de problèmes avec ça, donc du coup j'ai fait en sorte que ce ne soit plus. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette petite annonce avec la chemise et également cette petite map, ma foi, bien sympathique, vous aura plu. Je rigole parce que lui doit tellement être dingue, il vient de tomber au dernier carré et il va devoir... Ah non, il a de la chance, il y a un checkpoint parce qu'il aurait dû refaire tout. Franchement, j'aurais été mort. Voilà, en tout cas, les amis, merci à tous de m'avoir suivi sur cette petite vidéo qui était rapide. Bah écoutez, moi j'y peux rien, je fais les escape de plus en plus vite quoi. Il faut que je les mette plus longs. Voilà, ou j'en fasse deux, tu vois. Il faut que j'en fasse deux, tu vois, c'est limite ça. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir visionné cette vidéo. Je vous inviterai à lâcher comme d'habitude votre plus gros pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir ainsi que vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous remercie grandement, les amis. C'était votre Jumper. Et je vous dis à très bientôt. Oh, c'est tellement classe. Ciao les amis.